Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui parce que en fait j'ai reçu une bitrousse que j'ai commandée il y a peu. J'ai profité d'une promotion avec 4 ou 5 euros de réduction et en plus il y avait des trousses qui étaient à 17,90 € au lieu de 22 ou 23 euros. Donc du coup j'en ai profité, ça me faisait les frais de port gratuits et j'ai eu une grosse bitrousse pour 17,90 €. Alors j'ai choisi, il y en avait 3, malheureusement elles ne sont plus en stock donc je pense pas qu'ils vont les refaire. Mais j'ai choisi une qui s'appelait la Beauty Expert. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc on commence par, j'espère que vous me voyez toujours, les accessoires. Alors il y avait un petit accessoire, c'était un, voilà, un petit miroir qu'on peut. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est super fin. Donc pour mettre dans le sac à main. Super, donc déjà ça, un petit accessoire pour mettre dans le sac à main. Ensuite, je ne l'ai pas encore ouvert, mais c'est un. Alors moi j'adore cette marque, mais j'ai jamais testé leur jumbo pour les lèvres. C'est le jumbo pour les lèvres NYX et c'est le numéro, je ne sais pas si vous le verrez. Allez, faites une mise au point. Donc, je n'arrive pas. 729. Donc, c'est le chestnut. Voilà. Donc, ça a l'air d'être un beige un peu cuivré. Voilà. Bon, à tester. Je vous montrerai peut-être les photos sur mon blog des swatchs, etc. Ensuite, j'ai reçu donc deux boîtes. Ça tombe bien, je suis au régime. Alors, apparemment, ce sont des sachets. Alors, j'ai goûté. Je vous en parle après. Donc, ce sont des sachets à mettre dans l'eau ou dans des yaourts à base de konjac. Donc, le konjac, en fait, ça prend l'eau et en fait, ça gonfle dans l'estomac. Donc, ça coupe la faim, finalement. Donc, c'est des sachets de poudre, en fait, aromatisés. Donc, soit aux fruits rouges, soit à la vanille. Et j'ai testé aux fruits rouges une fois aujourd'hui. C'est dégoûtant. Que dire, j'ai versé ça dans un verre d'eau. Alors, il dit 50 ml, mais j'en ai mis beaucoup plus parce que ça se dilue pas. On a l'impression de manger des grumeaux, enfin de l'eau aux grumeaux. Le goût fruit rouge, oui, il y en a un petit peu, mais franchement, c'est pas. Enfin, franchement, bon, à voir. Peut-être dans un yaourt, je ne sais pas. Mais dans un yaourt, une demi-heure avant de manger, si on fait régime, c'est pas logique non plus. Enfin bon, je verrai peut-être qu'au niveau dilution, essayer dans d'autres choses que dans de l'eau, je ne sais pas. Donc voilà, donc ça s'appelle l'Héro Pondéral. Voilà, à voir. Pour si vous avez déjà testé, vous avez des astuces pour diluer cette poudre, n'hésitez pas à m'en mettre en commentaire. Ensuite, j'ai reçu, alors ça, j'ai hâte de tester. C'est une mousse pour les cheveux, un soin en fait à la kératine, à l'acide hyaluronique. À kératine hyaluronique et à l'argan, à l'huile d'argan. Donc, ça protège la couleur, ça stabilise la structure. Il y a de l'acide hyaluronique, c'est ça, donc c'est bien ce que je pensais. De la kératine, etc. Donc, sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés, pour les faire briller, les protéger et les gainer. Donc ça, franchement, en mousse, je trouve ça super... Enfin, a priori, comme ça a l'air super sympa. Donc ça, je suis super contente de ma découverte. Ensuite, j'ai reçu donc l'extrait végétal total d'aloe vera à mettre sur la peau. Donc l'aloe vera, c'est un cicatrisant, j'en ai déjà parlé sur mon blog, c'est un cicatrisant, hydratant, enfin ça a beaucoup beaucoup de vertus, c'est génial. Donc ça, effectivement, c'est à mettre a priori un peu comme un sérum sur le visage. Donc c'est de la marque État Pur A31, c'est là, ça doit être la référence. Donc ça aussi je testerai et je vous dirai si c'est bien parce que moi l'aloe vera j'adore. Ensuite, un petit déodorant Fun Ethnique. Alors ça j'ai aimé le concept aussi parce que c'est sans sel d'aluminium, sans alcool, 100% naturel. Donc ça j'aime bien. Le petit moins c'est que moi j'utilise des sprays parce que le stick je trouve ça moyennement hygiénique. Sachant qu'on le on, même si on est propre, il reste toujours un petit peu de bactéries sous les aisselles. Et malheureusement, quand on passe le stick ou la bille, eh bien, on en met sur la bille et la bille elle tourne, elle va dans le produit. Enfin, bon, pour moi, c'est pas hygiénique. Donc, c'est vrai que les billes, j'aime pas trop ça. Bon, à voir à l'usage si c'est vraiment anti-transpirant.
Ensuite, j'ai reçu ça, mais je ne sais pas si je m'en servirai parce que moi, j'utilise la cire chaude parce que je trouve que la cire en bande, ça casse le poil. Donc, des petites bandes de cire froide pour le visage. Alors, a priori, c'est au lisse blanc pour que ça soit adoucissant. À voir aussi à l'usage. Et alors j'espère que j'ai rien oublié parce que non je crois. Et ensuite ça, alors c'est ça que j'avais vu en fait, c'est un peu pour ça que j'ai commandé la vitrousse, parce que c'est un peeling quotidien. Voilà, prépare et prolonge les peelings dermatologiques. Enfin bon, c'est pour préparer, apaiser, corriger et prolonger les traitements esthétiques. Mais je pense que ça peut être bien pour moi qui ai des taches là. Vous voyez, là j'ai des taches. Donc je pense que ça peut être bien à essayer, je vais lire mon mode d'emploi, j'essaierai, je vous ferai un article sur ma page Facebook, sur mon blog, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous en reparlerai. Et ensuite, alors deux petites choses, donc ça c'est bien pour moi aussi qui suis au régime, des petites sucrètes. Alors le packaging est super sympa, très joli, avec un cerisier japonais. Et là, pareil, c'est un petit peu esprit japonais, donc ça je m'en servirai pour mettre dans le sac pour partir... Pour partir, voilà, ça peut être sympa. Donc voilà, tout ce qu'il y avait dans la vitrousse. Et c'est vrai que je trouve que pour le prix, ça valait largement le coup. Donc je vous tiens au courant de mes essais. Et voilà, je vous fais des gros bisous les filles. À plus tard, bye bye.